J'en suis l'investissement, c'est la société financière de la région. Nous finançons les entreprises soit en capital, soit sur du prêt participatif. C'est deux modes de financement qui sont différents, avec des sociétés, avec des maturités différentes. Mais ce qui est important, c'est que c'est toujours des sociétés qui ont des difficultés à trouver d'autres types de financement. Donc, notre objectif avec des fonds publics, c'est effectivement de permettre à des fonds privés d'intervenir, d'avoir ce qu'on appelle un effet de levier. Le PBFI, à travers Pascal, a joué plusieurs rôles et continue à jouer plusieurs rôles. Le premier, c'est effectivement son niveau d'expertise sur la décision de nos dossiers sur la partie pré-participatif. Et puis il y a toute une partie qu'on a externalisée au niveau de la partie financière chez nous, parce qu'aujourd'hui on gère tellement d'entreprises régionales que tout le monde est en fait à fond dans son dossier, qu'on a du mal à prendre du recul. Donc on avait besoin en fait d'une structure nous permettant de regarder par poste, par les grands postes comptables, la plupart du temps, comment on allait être capable de se projeter. Donc avoir un prévisionnel par grandes opérations, regarder effectivement d'une année sur l'autre ce qui avait changé. Et donc c'est ce qu'on a demandé à PBFI. Donc très rapidement, PBFI a développé un outil qu'ils avaient déjà développé, qu'ils ont pu utiliser pour nous et qui permet en fait d'avoir des réponses à nos questions sur notre politique de risque. Et quand on est dans la finance, la politique de risque, c'est essentiel. On a rajouté une mission intermédiaire quand je suis arrivé en 2020. C'est qu'on a très rapidement souhaité faire une feuille de route pour notre activité sur 3 ans. Et on a monté un groupe de travail et on a demandé à Pascal de PBFI de venir effectivement challenger un petit peu la personne qui s'en occupait. 2022 était une excellente année, aussi bien sur la partie capital que sur la partie pré-participatif. On espère, fin 2023, d'être le premier fonds régional de France à être rentable.